L'élégance prend l'air dans la ville rose. À l'occasion de sa 11e année d'exposition, l'association Bizarre Pop exhibe les créations des photographes Jean-Baptiste Huyn et Isabelle Munoz, le tout en plein cœur du jardin Raymond VI. Je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui regardent, qui prennent des photos. C'est très joli, très esthétique. C'est intéressant, je trouve, l'alternance d'objets et de portraits. Comme je suis un peu chaotique parfois, il faut que je me mette un peu en ordre. Je pense que tous les deux, nous sommes perfectionnistes. Saisir l'émotion d'un regard ou la douceur d'un objet de la vie quotidienne, capter les formes et le langage corporel avec sensualité, autant de talents que chacun exprime avec sa touche personnelle. J'essaie de trouver la beauté, même dans les endroits, et même dans nos endroits les plus cachés. Et j'ai besoin de partager. Le portrait reste majeur dans mon travail, c'est au cœur de mon travail depuis 25 ans. J'aime beaucoup les visages, j'aime beaucoup ce qui se passe durant la relation de la prise de vue. Et la question du regard est cruciale dans mon œuvre. L'exposition à ciel ouvert est gratuite et ornera les murs du jardin jusqu'au 16 octobre.